Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Cette semaine, Cinéma H a accueilli un cinéaste qui a commencé d'abord à produire des films traditionnels, ça veut dire avec caméra, équipe d'acteurs et équipe sur le plateau. Mais par la suite, il a changé option pour lancer une production de films en animation 3D. Nous capables de dire qu'invité semaine ça, c'est peut-être pionnier cinéma haïtien dans le domaine du 3D. Donc, c'est un plaisir pour nous, pour Cinéma H, accueillir cette semaine M. Jean-Marie Lamour. M. Jean-Marie Lamour, bienvenue à Cinéma H. Ok, merci. Je salue tous les téléspectateurs de Cinéma H. Et je remercie en pile du fait qu'on a invité ma émission aujourd'hui pour me faire parler avec le public. Oui, moi, je crois que c'est quand même important pour le public qu'on ait, qui travaille, que vous fait depuis quelques années, surtout dans le domaine cinéma 3D, qui, en quelque sorte, quand même, le public n'est pas tellement au courant de cette technologie-là. Mais il faut dire qu'au départ, on a commencé dans le cinéma par la production de films traditionnels. Premier film, si je ne me trompe pas, c'était un film qui était relié Surface. Non, Surface, c'est troisième film. C'est troisième film. Complètement à l'opposé. Non, deuxième film avec caméra, c'est ça. Mm-hmm. Troisième. Donc, parlez-moi de première expérience comme cinéaste dans la production de films traditionnels avec équipe. Et tout. C'était le premier film. Et le premier film, c'est Conspiration. Conspiration. La Conspiration, c'est. Pourquoi on a toujours un paquet d'idées. Et puis, bon, on a commencé à faire cinéma comme ça. Parce que, alors, on est capable de parler de. Et comment passion t'es commencé pour cinéma? C'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'étais un projectionniste au cinéma Capitole à Port-au-Prince. Mm-hmm. Ça que j'aurais été les opérateurs. Donc, censé c'est qu'on a travaillé dans la salle 1. Et donc, j'ai toujours passé film tout le temps. Et puis, son bar qui a envie d'entrer dans moi. Par rapport à ça, l'obtention des musiques, l'obtention des images sur l'écran. Et puis, j'ai senti que le cinéma est censé pour mon seconde vie. Et puis, j'ai dit bon, et même pas j'ai rêvé de faire cinéma vraiment. Et c'est par la suite, après quelques années, je suis entré aux États-Unis, à Boston. Et puis, bon, je suis pris un coup dans Catherine Gibbs School. J'ai passé 2 ans dans l'école ça. Côté que moi-même, je viens étudier animation. Et je commencé avec des images, tout ça. Et puis, bon, par la suite, je viens gagner une idée pour me faire cinéma, vraiment. Et, mais là, je commence à faire cinéma, je commence avec des caméras moins. M'a frappé. Avec les moyens du bord, évidemment. Les moyens du bord. Et puis, je choisis acteur et tout ça. Même si c'est toujours voulu faire un bagage qui ont des gens différents, qui est un peu extraordinaire. Et donc, c'est ainsi que tout ça que j'écris, il était toujours bon. La façon que j'ai mes caméras, c'est toujours son autre façon que lié. Le premier film, tu es allé à l'école pour ça. Là, où vous faites 2 ans à étudier dans le collège. Est-ce que tu es fait collège là, avant de faire film ou vice-versa? Et tu fais quoi déjà avant de faire un film? Ok, c'est that's ça. Good. Yeah. Donc, tout de suite après, vous faites 2 films presque l'un après l'autre, oui. De manière traditionnelle. Oui. Et puis après ça, vous lancez effectivement dans l'animation 3D. Côté que vous sortez le premier film qui était le Cory le Seigneur. Mm-hmm. Parlez-nous de premier film ça. Bon, pratiquement, Cory le Seigneur, je n'ai pas pensé faire en animation d'ailleurs. Je n'ai toujours pensé faire avec caméra normalement, comme le cinéma traditionnel. Cependant, c'est que en même temps, je n'ai pas voulu que son bagage qui fait et puis qui juste était là, qui campait comme ça, là, comme les autres films. Et puis bon, je me dis, bon, je m'a réfléchi toujours. Je me dis, là, comme j'ai moyen, là, comme j'ai un gros l'argent tombé dans même, je vais faire Cory. Ou sans les presque pas de jambes fait film, parce qu'à faire goulage, j'en tombe dans mes mains, on pas arrivé souvent. Oui, bon, c'est ça. C'était mon rêve à l'époque. Mm-hmm. Et puis, c'est ainsi que les avatars avaient une sortie. Et puis, je me passais moi-même à le cinéma en pile, son bac que je me remets. Et puis, les avatars sortis, puis je me regardais avatar. Et pendant que je suis dans la salle-là, et puis, je viens réfléchir, je me dis, mais, je suis capable de faire corrélationner avec animation. C'est ainsi que je fais un logiciel que je toujours possédé depuis avant. Et puis, ils ont venu upgrade le logiciel là. Et puis, cependant, ils ont venu acheter le logiciel là. Ils ont commencé à faire travail, Cory le Seigneur. Vous commencez Cory le Seigneur à ce moment-là, oui. Avec l'idée de compléter ça et de faire des projections. Est-ce que film ça, c'est film qui est projeté dans le cinéma? Qui côté film ça? Bon parcours film Cory le Seigneur, qui première animation 3D. D'ailleurs, Cory le Seigneur, je crois que c'est un miracle. Ah oui? Bien entendu, c'est un rêve qui est réalisé. Cory le Seigneur est arrivé très très loin. Depuis que l'homme a fait le film,
grand pile d'acteurs que m'invité automatiquement yo embarqué. Et me dit waouh. On continue m'a fait film là toujours. Les films là viennent sortir on commence à marcher. Me visionner li grand pile monde qui visionner li yo remène. Et puis c'est ainsi que me fait première projection Corinne dans ONF Office National du Film à Montréal. Il était chargé monde parce que tes article qui était venu sortir sur moi sur dans le journal La Presse de Montréal. Ça devait venu faire ça la charge monde. Tout le monde était intéressé. Son film qui même allait dans des festivals, pourquoi film ça allait dans d'autres festivals? Oui, son film que moi de concert moi je fais un coup de fil de la Guadeloupe et puis invité dans un festival international du cinéma. J'étais vraiment étonné et puis là me dit dame que où est-ce que vous avez trouvé? Il dit que sur internet. Évidemment, évidemment. Et puis après Cory le Seigneur, ou pas arrêté sous ça seulement, ou alors produit Bouki et Malis, qui tout le monde haïtien natif natal connaît, c'est contre nous, c'est personnage fictif nous que nous tout connaît. Oui. Bouki et Malis, ça parle de quoi en fait? C'est quoi l'histoire de Bouki et Malis? Bouki et Malis, je suis capable de dire que comme tout compte, c'est toujours ce sont des choses légendaires. Et donc ça que moi fais dans Bouki et Malis, mélanger avec type blague qui te gagne, plus un peu d'imagination. Là, c'est m'baï début Bouki, côté le sorti, que j'en ai fait, et puis m'baï comment le grandit, et puis juste parler d'une sorte d'aventure dans ce film-là. Ok. Mais qu'est-ce qui mène essentiellement à tourner vers la production de cinéma 3D, de films en 3D? Est-ce que c'est parce que c'est plus commode? C'est quoi qui t'amène réellement à ça? Et, ou bien est-ce que c'est parce que c'est plus facile pour toi? C'est quoi qui t'amène? Bon, je capable de dire ce sont des raisons financières. Dans le sens que je viens d'imaginer que tout film de rêve que je t'aime faire, je ne suis pas capable de gagner moyen pour me faire ça, à la manière d'Hollywood. Et donc je viens de voir que si que moi-même moi fais des films avec des dessins animés, je suis capable de gagner tout pouvoir. Ou de mettre un caille, ou de mettre du feu, ou de mettre un monde captif, ou de mettre ça, ou de mettre toutes sortes de barres que je ou juste dessiner pour faire. Nous prenons une petite pause pour nous capables de faire mon preview de film qui sont fait en pile parler dans Montréal dernièrement là. Donc chers amis téléspectateurs, nous allons montrer un extrait de film que Jean-Marie Lamour nous allons parler de film ça tantôt qui était fait en pile parler dernièrement là dans Montréal, c'est le film qui t'ont introduit le film là, Le vrai amour d'un caco. Le vrai amour d'un caco. Donc on va venir tout de suite après cette courte pause. Couvrez-vous. Le Nord en conflit avec le Sud sur le même territoire. Ça, c'est la guerre civile, Marcus. Je vais le guérir juste pour te faire plaisir. Je crie partout. Je sens que les Américains vont poser leurs bottes sur notre territoire. Le 26 juillet 1915, une troupe de 3000 Marines, avec l'amiral Bécamerton à la tête, débarque à Port-au-Prince. We come here, tourists, horror and curse. C'est le début de l'occupation américaine. Les Américains sont déjà là. Camarades, on est engagés. On doit se bouger. Donc c'est ça, chers amis téléspectateurs, nous capables que le film Le vrai amour d'un caco, c'est la dernière réalisation en animation 3D que Jean-Marie Lamour a produit dernièrement là, qui sorti, qui fait un tabac à Montréal. Le film ça a été projeté dans des salles à Montréal. Et Jean-Marie, je crois que ce film a même été projeté en Italie. Non, c'était Cory le Seigneur. C'était Cory le Seigneur. Oui. Ah, eh bien, information mais un peu erronée. Donc, c'était vraiment Cory le Seigneur qui était projeté en Italie? Oui, Cory le Seigneur était projeté en Italie. Et je suis capable de dire, grâce à ça aussi, Cory le Seigneur ouvre une porte pour moi, pour m'arriver là. Je me parle un petit parenthèse tout de suite pour comprendre. Là que je suis arrivé dans un festival de film en Guadeloupe avec Cory, Cory joué dans plusieurs salles de cinéma. Et mon Dieu, toujours applaudi. Et puis après, mesdames qui organisaient les bagages, membres d'organisatrice, ils disent que monsieur Lamour, vous êtes chanceux. On va vous envoyer à Marie-Galante. C'est une île qui se trouve tout près de la Guadeloupe parce que le festival est étant dans toute Guadeloupe. Là. Et puis là, que je suis arrivé, premièrement, dans le matin, ils viennent accueillir moi et puis ils ont passé dans le collège. Après, dans l'après-midi, il faut finir passer dans un grand hôtel. Mais son paquet de Français qui là. Les corps finissent de jouer dans l'hôtel là et puis tout le monde chita. Et puis monsieur Musset dit. Vous avez aucune question et pour monsieur Lamour, tout le monde dit au pas dire. Bon, après ça, tout le monde a le dîner. Et puis pendant que je dîner comme ça, je me dis, wow, mon Dieu, il n'est pas aimé film. Et puis, il y a un petit Asiatique qui vient de jouer moi, monsieur dans la soixantaine.
il marie avec une Française, il dit comme ça, Monsieur Lamour, lorsque vous aurez terminé, venez me trouver devant, tout près du bar. On va parler de votre film, on va parler d'Haïti. Je dis, ok. Je viens manger vite, vite, pour un dessert, je viens engager. Et puis il est arrivé, puis je dis, monsieur, il me balance, il tape dans le dos, pop. Il va me dire, oh, monsieur Lamour, je vais chercher ma femme. Il va être avec Fia, fond française. Au l'autre moment, tout le monde qui était dans la salle là vient jouer moi tout. Mais laisse ça, ou tout lancer là tout. Oui, tout le monde vient jouer moi parce que c'est laissé ça, il vient de poser une question. Et puis les bars là, allaient pour le fermer, ils sont gros hôtels. Et puis il dit, monsieur Bala, non, non, pas fermé. On va servir à monsieur Lamour. C'est magnifique. Même temps, je me tournais sur le vrai amour d'un cacou. Oui. Parce que c'est cette dernière réalisation. Vous m'entendez parler en pile de film ça. Nous parlons en pile de temps. Est-ce que film ça, c'est un film qui est basé, tel que je comprends, c'est un film qui est basé sur l'histoire qui était passée dans les années 1914-1915, au oui. temps de l'occupation américaine. Oui, parlez rapidement pour le public là, qu'on connaît l'historique de ce film. Bon, rapidement, c'est que c'est une histoire vraie qui déroulait dans des événements. Et donc, pratiquement, je parlais exactement, non seulement de l'histoire dans le film, je parlais aussi de pendant l'événement où tu as fait là. Je montrais la guerre sur l'écran, montrais exactement. C'est que nous voulons vraiment englober nous dans l'histoire parce que je parlais de Chalmay Peralt, mm-hmm. parce que Chalmay Peralt est son grand homme culté. Bien entendu, que dans le journal de la presse, côté que tout le monde a dit pour qui ça qu'on fait allusion à Chalmay Peralt, à Che Guevara. Je dis non, Che Guevara, lui-même dans le pays là, son héros culté. Donc nous-mêmes, nous avons Chalmay Peralt qui est un héros national dans le pays, pas nous. Donc alors que tu parles de Che Guevara, tu as tendance à oublier Chalmay Peralt. Donc ça fait que je suis dans le film, dans tout vrai des personnages comme ça. Et puis je me sens que Vin Gonfos, histoire vraiment très très bonne, c'est une histoire qui est universelle, je ne fais pas seulement pour moi. Pour une couche monde, elle me fait pour plusieurs monde. Excellent. Jean-Marie, film Ouyo, ce sont des films. Est-ce que film ça est disponible pour mon acheter en DVD? Est-ce que il y a moyen pour mon une copie, par exemple, de Le Vrai Amour d'un Caco? Faut rappeler mon yo que c'est parti court métrage. Ce sont des films de d'une heure et demie là. La oui, plupart. De, la ce plus... sont de vrais longs métrages. Alors que ce sont des films en animation. Bien entendu, mon capable mon yo toujours tendance a perdu dans l'animation parce que l'histoire est tellement belle. Donc, ce genre de film n'est pas encore disponible parce que il y a un distributeur qui a analysé pour être capable de distribuer le film. Ça. Donc, okay. c'est prochainement, on va pouvoir acheter un DVD et regarder ça chez nous. Oui. Qui prochain projet, parce que là, Le Vrai Amour d'un Caco ouvert de nouvelles horizons pour eux-mêmes, là. Oui. Qui prochain projet où? Bon, prochain projet, moi, c'est un projet de rêve que j'ai. Et cette fois-ci, il va parler en 3D. Il va parler en animation. Son avec film équipe de avec... tournage, caméra, tout bagaille. Oui, mais son gros, gros bagaille que le poilier. Donc, je quitte ça là comme yon. c'est un amorce, un suspense. Amorce, yeah. Effectivement, peut-être à ce moment-là, nous allons réinviter nos prochaines émissions lorsque le projet a déjà entamé pour capable peut-être ben, nous un petit peu plus de détails oui. sur le projet. Ça. Donc, Jean-Marie Lamour, ça a été un plaisir vraiment de t'accueillir. Je parlais avoir plusieurs fois dans le téléphone par rapport à Le Vrai Amour d'un Caco que moi-même trouvais que c'est une belle réalisation pour moi-même et peut-être pour la communauté aussi. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ok, merci, Monsieur Racine. Donc, chers amis téléspectateurs, c'était Jean-Marie Lamour qui a réalisé dernièrement Le Vrai Amour d'un Caco, un film qui fait un pile parler, et d'autres projets aussi que les gagnants que prochainement nous capables peut-être font chita avec pour lui parler de nous. Donc, c'était Ronald Racine pour Cinéma H. Nous rappelons que Boss Ben Show est en diffusion le samedi à midi et en reprise dimanche 9h sur ICI Télévision à Montréal. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show.